YouTube, on continue Metroid Prime 1. On en est donc à 17%. Par contre, il met 2h36. Ça me paraît peu. J'ai fait. Ah, c'est peut-être le in-game time. Ça me paraît peu quand même. Bon, je ne sais pas. Mais bref, on avance, on avance. C'est pas mal. Par contre, je n'ai plus du tout d'idée. Ouais, j'ai passé l'intro. J'ai plus du tout d'idée là où on en était en fait. Ah si, on était retourné au vaisseau à la fin. On était retourné au vaisseau. Et il fallait aller dans les parties congelées de Talon. Ah, ça y est. Ça y est, ça me revient. Maintenant, je me rappelle. C'est ça. Regardez. Technologie étrangère détectée. Hop. Et donc ça, c'est le Magmor. Et donc l'ascenseur vers le nord des monts de Fendrana. Faut que j'aille à Fendrana. Mais du coup, faut que je retourne au Magmor. Au Magmat. Mais non. Oh non, mais c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais voir si je pouvais faire un... Mais non, faut le double saut. Enfin, faut ou le double saut ou être speedrunner, là, hein, je pense. Il y a quelque chose dans le coin, là. Mais je pouvais monter par là. Bah oui, y'a peut-être un truc là, dans le coin. Oh là là. Des trucs que je connais pas. Mais... C'est quoi? Des plantules. Organisme herbivore. Ça me balance des merdes. Ah d'accord. Fallait juste me le dire. C'était pourtant simple. Qui plantule, balance ses merdes et me fait du dommage. C'est devenu super clair. Ah, le cratère, voilà, ça y est, je me rappelle. Ici, c'est le cratère. Mais je crois qu'on est bloqué. Parce qu'il faut buter les... Faut buter les strums. Hop, un décodage des données vers les pirates de l'espace terminé. Le rapport d'une équipe de recherche, un monument ancien se dresse sur la surface de Talon 4. Fils semble projeter un champ de confinement qui bloque l'accès à une source d'énergie intense provenant du fin fond du cratère. Les scientifiques pensent que ce champ est activé par plusieurs artefacts étranges conçus par les Chozo. Nous avons déjà trouvé un certain nombre de ces reliques et commencé des recherches à leur sujet. Tandis que ce champ risque d'en... d'entraver la production d'énergie sur Talon 4, nous devons nous empresser de les démanteler. Oh là là, c'est une connerie. Salut Iswa. Comment tu vas? Cela implique la destruction des artefacts Chozo, ne se trompe pas. Les génies. C'est des génies, hein. Les pieds de l'espace, hein. Il y a l'air d'avoir un truc super dangereux. Bah on va l'éclater. Écoute, moi ça va mieux. J'étais un peu vénère. Voilà, le chargement qui a pris des heures. J'étais un peu vénère en fin de journée, et puis là ça va mieux. Alors, le confinement du grand poison, c'est aux choses aucun comble cette tâche, et nous comptons remplir notre devoir, même si nous souffrons avec cette terre et ses créatures. Les 12 artefacts seront l'incarnation de notre volonté rassemblée. Ils forment le verrou qui isole le grand mal dans les profondeurs de la planète. Ce verrou doit résister à toutes les agressions. Préserver sa force et empêcher les créatures avides de s'en emparer. Nous éparpillons ces artefacts sur la planète de manière à ce qu'ils soient à l'abri de la convoitise. Ce verrou doit rester en place jusqu'au jour où ce désastre pourra enfin être combattu. Genre s'il y a Samus quoi. À cause du boulot, ouais, pas directement par le boulot, mais ouais. Enfin moi avec mes clients ça se passe bien. Mais
Ok. Un artefact Chozo, bah super. Trop chouette pour le groupe La Marmite. Ouais, j'ai tout expliqué tout à l'heure. Mais effectivement, c'est cool quoi. Ramassez le puis analysez toutes les totems afin de recueillir les indices qui pourront retrouver les artefacts restants. La réunion de tous les artefacts permettra d'accéder au centre du cratère d'impact. Hein? Et toi, ça va? Week-end ou pas encore? Où est-ce que tu bosses demain? Bosse demain. Ah. Ah. Ouais, Tina, comment elle va? Week-end demain. Toute la journée demain? Hop. Tandis que nous affrontons les ténèbres et que nous vivons en plein cauchemar, une lumière nous attire. Il s'agit d'une lumière d'espoir qui chasse les ombres du grand poison et purifie tout ce qui a été souillé. C'est étrange, parfois ces sources lumineuses semblent dessiner le corps d'une femme éclatante. Cette lumière cosmique se sombre dans les ténèbres spatiales infinies où elle est apparue. La prophétie se réalisera quand cette lumière repartira. Nous, Chozo, pourrons enfin trouver le repos. Dis donc, j'ai l'impression que c'est de Samus dont il parle. Un peu fou ça. Tina, la vie est belle. Jusqu'à 18h demain. Hein. Les samedis sont sportifs en ce moment. Ouais, j'imagine. Bien, moi, oui, j'ai plein de choses prévues pour mon week-end. Streamer et, et beaucoup streamer. Ça va être le planning du week-end. La streamation. La streamure. Incroyable, mais ouais. Je sais, c'est étonnant, je sais. Le titre du stream est génial. Ah, merci Gigit. Merci Gigit. T'as dormi et tu vas pas bosser. Ok. J'ai beaucoup aimé le titre aussi. Non, mais je suis fier de ce titre-là. J'avoue. Je vous avoue que je suis fier du titre. Ah, les cavernes du Magmore, c'est juste là. D'accord. Eh ben, on va aller aux cavernes du Magmore. Faut que j'aille là, hein, ouais. Eh bien, hop. Mais même sur YouTube, hein, sur YouTube c'est pareil, j'ai fait des jeux de mots pour les... Enfin, je fais des jeux de mots sur les vidéos, voilà. Ça mange pas de pain. J'aime bien. Aïe. Bah j'ai tout loupé, hein.
Alors, les cavernes. Ah bah c'est par là. Je travaillerai demain. Il me faut une pause là. Je vais aller voir Charles bosser. Première fois dans la librairie. Eh, très bien, j'ai acheté le magazine pour le taf 1984 en BD Collector. Et là, patron me fait 5% de réduction du coup maintenant. Oh! Écoute, si j'y vais, je dirais. Je connais le petit jeune là. Machin. Je le connais. Attends, t'es en train de dire qu'elle a fait une réduction sur les livres, mais c'est pas interdit les réductions sur les livres? Ou justement c'est 5% le maximum? Ça fait plaisir tout ça, c'est pour ça qu'il faut aller chez les petits commerçants. Bah ouais. J'ai bugué. Ouais, non mais c'est à Pont-l'Évêque. C'est à Pont-l'Évêque qu'il soit, donc c'est 9% max en bouquin, d'accord, ok. Oh là là. Elle sait tout. Elle sait tout, madame, messieurs. Elle est au courant de tout. Je vais dans le mauvais sens, là. Non, non, Iswad. Bosse pas, pompon. Je suis un génie. Vraiment, je suis un génie. Mais non, mais casse-toi! Mais non, mais recasse-toi! Ah, il m'a mis la double. Non, c'est ça que je veux faire. Voilà, je suis déjà en train de prendre la max. Moi. Oh! Que deux touches et il est mort. Ah! Pour les institutions, voilà, tu peux faire plus. Mais pour les gens, c'est 5. La 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 la. Où j'ai où? Ah non, ok. Allô? Des fois la zizimote. Des fois la zizimote elle arrive plus, elle sait plus où elle est. Hein. Globalement ça marche bien mais. De temps en temps, elle est un peu paumée. Ah non, mais non! Oh là là, mais. Et le truc se déclenche au moment où je passe dessous, évidemment. Hop, ah! Tu l'as déjà fait le jeu? Alors, Metroid Prime 1, j'ai déjà quasiment tout fait, mais je suis pas allé à la fin parce que j'ai essayé d'avoir le 100% et tout, et ça m'avait pris vachement longtemps. Et finalement, je l'avais jamais terminé. Et donc, Prime 2 et Prime 3, jamais fait. Et pourtant, je les ai achetés le jour de la sortie. Tony Yob. Je les ai achetés le jour de la sortie, quoi. Mais donc, j'ai la. Hop. J'ai le jeu Metroid Prime Trilogy, la version Wii, qui est assez. Assez recherché et assez plutôt rare en fait sur le marché. C'est indigne parce que je l'ai jamais fait. Super, une. Une roquette dans le vent. Voilà, ça c'est fait. Il n'y en a pas un autre là-haut? Le bouquin comme c'est à la TVA c'est pas la même, ouais, c'est compliqué. Tweet. Je sais plus, je vais où? Je suis déjà paumé. Ça fait 15 minutes que j'ai commencé le jeu, je suis déjà paumé.
Je ne comprenais pas quand j'étais... Pourquoi il n'y avait pas de solde de livre. Ah, il y a le téléphone qui sonne encore. Je sais pas c'est quoi dans le jeu qui fait ce bruit là. Ça ressemble vraiment au téléphone quoi. Je m'en fous des soldes de vêtements. Les soldes de vêtements ça sert à rien, on veut des soldes de livres. Après tu peux acheter tes livres d'occasion. Ouais alors moi les soldes, c'était les plantes cette année. Les fringues, le maquillage et les chaussures hein. Ouais. Bah moi les soldes c'était le... Ah bah moi les soldes c'était le matos pour la voiture. Voilà. Voilà, chacun son truc. De glace bloque le passage. Merci Momox, bien souvent. Hein? Ouais, histoire, elle est à Lyon, c'est comme ça qu'on se connaît d'ailleurs. Mais t'as vu cette fois-ci, ouais, c'est pas moi qui l'ai dit. Hein. Pour une fois, c'est pas moi qui l'ai. Hein. T'as dit toute seule là où t'habitais. Hein. Qu'est-ce que. Il y a des trucs et des machins. Ça fait pouette pouette. Ah! Il y a un oiseau! Système de propulsion. Ça ferait loin pour bosser à pompon tous les jours, effectivement. Regardez, il y a les oiseaux là. Qu'est-ce que c'est ce truc là? Ah non, c'est une raie qui vole. Le rhinolophe furtif, ce prédateur est imperceptible à l'œil nu. Les chauves-souris sont dotées d'un système de camouflage très sophistiqué. Ça l'imagine. Ah, bon, c'est vrai. Voilà, c'est bon. Vole sans arrêt pour chasser des insectes ou d'autres formes d'organismes en suspension dans les courants atmosphériques. Il semble chasser selon un modèle cyclique utilisant un sonar primitif pour naviguer. Tournons rond quoi. Tournons rond. Les trajets, ouais, c'est un peu épuisant effectivement. Dans leur site et Amazon, je passe par le site maintenant. Ils disent bon ou très bon état, et parfois c'est neuf. Faut que je fasse gaffe à la flotte, parce que la flotte, si je reste trop longtemps dedans... Alors, qui c'est que ces machins? Cristallite, prédateur farouchement attaché à son territoire, accoutumé au grand froid, comme tous les rayons ricochent sur la carapace du cristallite. Seules les armes lourdes peuvent en venir à bout. De larves, ces créatures accrochées au plafond des grottes de glace, la moisissure se propage dans leur corps, pour former une carapace de glace très robuste que les cristallites conservent toute leur vie. Dégueulasse. Voilà, bah t'es mort. Il y a aussi un site français, Momox, et le gars allemand, j'ai un doute. Prendre Carbone, Allemagne ou le sud de la France, un peu pareil. J'avoue que j'ai une période e-book maintenant, j'achète et je télécharge. Ah, petite sauvegarde.
Pas de dictif. Alors j'ai lu fiction après, ouais, mais pas de dictif. Alors là, j'avoue que celui-là, je sais pas d'où il vient. Hein. Oh, c'est bien parce que c'est quand même des ennemis qui nous demandent des. Mais je l'ai pas ça moi. Vraiment fatigué, j'avoue. Une semaine sur 6 là. Mais non, non, mais c'est la correction automatique non, qui t'a écrit ça, non? Ouais, c'est vrai que c'est clair que les liseuses, l'écran non rétro-éclairé, c'est quand même vachement bien. Voilà. Hein? Vous avez vu les piou-piou là? Les piou-piou invisibles, moi je les bute, hein. Là je peux pas y aller. Où j'ai eu où? C'est moi qui me trompe. Dimanche goûter. Je sais pas, ça dépendra. Ouais. Cette grille s'est fragilisée sous l'effet de l'amplitude thermique. Les traces de radion ont été détectées. Est-ce que je peux me mettre en boule morphing là-dedans, moi? Pas grand-chose, hein. Ouais, alors après, il y a des liseuses de plus ou moins bonne qualité, et maintenant, ils en font des liseuses avec... écran rétro-éclairé, ce qui est complètement con, parce que l'intérêt d'une liseuse, c'est justement que t'as pas le rétro-éclairage qui te nique les yeux. Enfin, qui fatigue plus que... Mais donc faut faire gaffe, quoi. 16 heures deux fois, la preuve que je déconne. Non mais t'as fait juste une répétition, c'est tout. Ouais, goûter d'aniv. Non pas pour tes 8 ans, mais tes 38 ans. Oh, ouais, mais tu les fais pas. Ça compte pas quand on les fait pas. Non, c'est bien beau leur connerie là, mais je vais où? Je peux pas monter là. Ah, c'est pas. Là, c'est... Non, puis elle s'accroche pas, Samus. Ah, une Melzekiel. Une Melzekiel qui nous gâte avec un R comme Rabia. R comme Rabia. Un T comme Tony Hob. T comme Tony Hob. Et un Jean-Michel à vous, où elle va me dire qu'est-ce que je dois faire ou ne pas faire. Chanter joyeux anniversaire 6 fois pour Gigit. Oh là là. Ah. Ah, c'est parti. Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, Gigit 014. Joyeux anniversaire, ça fait combien? Ça fait 1. Faut que je les fasse à la suite ou j'ai un petit peu de délai entre les deux? Joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Gigit 014. Joyeux anniversaire. Ah, y'a un autre truc là-bas.
Ah, c'est peut-être ça. Ah. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Guigui014. Joyeux anniversaire. Bon, ça fait 3. Si je compte pas trop mal, ça fait 3. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire, Guigui014. Joyeux anniversaire. Ouais, mais 5. Ah non, 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 non. C'est, ça va aller, ouais, en 5 langues. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you, Gigit 014. Happy birthday to you. Et le dernier. Le dernier. Feliz cumpleaños. Alors, c'est Feliz cumpleaños ou Agnos? Oh, je sais pas, je suis nul en espagnol. Feliz cumpleaños. Feliz cumpleaños, Geek 014. Feliz cumpleaños. Ah non, c'est cumpleaños feliz. Oh, je sais plus. Cumpleaños feliz. Oh, je sais plus. Bref. Bref, je l'ai fait. Voilà. Il y a un truc là, hein. Ils me disent qu'il y a un truc là. Ah non, plus haut. Ah là, il y a une... Oh. Oh, je pige rien. Je sais pas où faut aller. Ah ouais, il y a un truc là, il y a une porte. Il y a la puerta. Ah mais faut pas tabasser. Ah oui. Ah ça y est, j'ai peut-être un souvenir. Ça a bugué, j'ai pas eu la dernière. Quel dommage. Quel dommage que vous ne puissiez accéder à la dernière. Dis quoi? Ou alors faut que je le fasse en dessous? Attends. Ah! Ah, la Zizimo t'es perdue! C'est pas ça. Bah alors là, je suis... Je suis circonspect, hein. Est-ce que j'ai que ça? Là-bas. Là-bas. Oh, c'est dans la flotte? Y'a un truc sous l'eau? Non. Là, non. Là, c'est... juste la salle. Ah! Y'a un truc là. Temple ouest est sécurisé par un verrouillage de niveau 2. Tous les projets sont apportés avec ce temple est strictement interdit. Personnel de la section de balistique est prié de présenter au laboratoire de recherche Hydra. Ah oui, c'est comme dans... c'est comme dans les Marvel. ...30% des rations si ils viennent pas. Hein. C'est le bang. Hein. Oh, je sais pas comment j'y vais. Comment on grimpe? Ah, ou boule morphing. Bon. Et si je saute là. Oh voilà, elle saute clairement pas assez haut.
Ouais, c'est bien, on va se faire tout le stream là-dessus. Ah, la musique, elle est... Alors, ça dépend, hein. Elle est soit vénère dans Metroid Prime, soit elle est méga chill. Ou alors, c'est là-bas, faut... Mais quel gros naze. Comment perdre 20 minutes? C'était pourtant si évident. La porte directement située au niveau supérieur a été déverrouillée. Ah merci. Je peux plus monter. Ah là là, je vous jure. Quel gros naze. Hop là, hop là. Bah oui. M'embrouille. Ah ouais, alors ceux-là ils sont chiants, je crois. Ouais, c'est ça. Ouais. Et dehors. Assez long. Ah mais je les ai même pas scannés. Quel dommage. Je crois qu'il y a une arnaque là dans le coin. Il y a un truc à arnaquer dans le coin, il me semble. J'ai souvenir de ça. Arnaque. Peut-être que je me plante complètement. Ce serait pas déconnant. Là on est au-dessus. On arrive là, c'est bien. Je suis content. Coucou Bibi la diva. Comment vas-tu? Voilà, faire attention de ne pas tomber.
C'était quoi ça? Ah, les fouisseurs polaires. Bon, c'est pareil qu'un fouisseur, mais il creuse des tunnels gelés, lui. Hein. C'est la relou qui débloque, enfin qui débloque rien, Isaac et qui chouine. Bah écoute, c'est parfait. Moi, ça me fait moins de concurrence à Isaac, hein, si tu débloques rien. Mais il m'emmerde les vers de terre là. Sachez jeunes gens que Saint Otto m'a délivré de la malédiction et que j'ai débloqué plein de trucs. Oh là là. Ah là là. Loué soit Saint Otto. Merci. Voilà. Je crois qu'on a tout dit. Là, fallait pas tomber, hein. Si je tombe, c'est les mêmes, ça, ou pas? Oh, les relous. Évidemment, je m'en suis pris plein la tête, Alouette. Bah, je vais rester en hauteur, hein. Aïe. C'est quand même fou, ma modo préférée qui vient prêcher la concurrence sur ma chaîne, quoi. Vraiment. J'avais enclenché le mode et il faut pas avant d'avoir tué 5... Quel mode t'avais mis? L'item description, ok. Parce que si tu l'actives avant d'avoir buté Mom 5 fois, ça désactive rien. Enfin, ça débloque. Tu peux rien débloquer du coup après. En même temps, qui t'a dit de jouer avec ce mode là? C'est auto. Évidemment, voilà. Il essaie de se faire. Il essaie de se racheter parce que c'est lui qui dit à tout le monde jouer avec le mode. Ah. Voilà. Donc il se sent fautif, il se sent merdeux.
C'est con qu'on puisse pas faire de wall jump dans Metroid. Sinon là j'aurais fait un petit wall jump là. Il s'est auto-accusé. Attendez, je les ai pas, oui, voilà, il faut que je fasse ça. Voilà, regardez. Hop, le bébé à Chigotte. J'espère que Guigui, tu n'es pas là pour... tu n'es pas là pour juger mon accent. Une carapace de glace robuste protège la région dorsale du prédateur polaire. Les jeunes Chigotte possèdent une carapace de glace pour protéger la région dorsale relativement fragile. J'ai leur bébé unique, point faible, les bébés hein, tournent très rapidement autour de leur adversaire de manière à ce que leur dos ne se trouve jamais dans leur angle de tir. Ils crachent des gaz réfrigérants pour neutraliser leurs adversaires. Et après ils les mangent. T'es bien placé gars là, hein. Allez, nickel. Nickel. On peut y aller à fond sur les... Non. Non. Bon tant pis. Bon tant pis. Ah mais c'est pas là où j'obtiens le truc là pour faire la boule morphing. Gauche, droite, gauche, droite. Il me semble que c'est là hein. Alors faudra que je revienne ici. Il me semble que c'est là qu'on débloque la boule morphing. Ralignement des plateformes est terminé. Merci beaucoup. Elle est... N'empêche que les choses... Pour des gens qui sont là censés... nous bloquer la voie, il nous aide quand même vachement. Maintenant, je vais pouvoir mettre des coups de boost dans la boule morphing. La boule turbo. Exactement. C'est super galère en fait à gérer. Pouvoir faire du skate maintenant. Ah mais il y a un truc que j'avais pas vu. Ah non c'est plus haut. Ah zut c'est plus haut. Cœur sur toi Melzekiel aussi. Et hop là, vous avez vu? Vous avez vu ça? Ok, il n'y aurait pas un truc qu'on pourrait débloquer dans le coin là? Oh zut! Pas du tout le bon bouton. A priori, non. Ah, derrière, y'a pas un truc là-bas? Ouais, ça me semble bizarre là. T'as vu ça, les petits malins là? Les petits malins qui nous planquent des trucs là. Alors,
Tant de créatures souffrent avec nous, victimes du fléau qui s'est propagé sur Talon 4. Nous pouvons cependant soulager notre douleur en rêvant à des lendemains meilleurs, pour des lendemains qui chantent. Nous demandons si le jour viendra où nous pourrons rouvrir cette porte et détruire enfin les ténèbres qu'il contient. Qu'il en soit, nous devons rester vigilants. Nous savons qu'un jour, un sauveur surgira pour continuer ce que nous avons commencé. Nos armes et notre armure ancestrale lui seront destinées. Celui qui les portera sera l'élu. Le seul être capable de venir à bout de ce mal rampant. C'est rigolo parce que nous, depuis le début, on récupère en fait les capacités de l'armure Chozo. C'est rigolo. Donc, ça se trouve, on connaît la personne qui est l'élu. C'est fou. C'est fou quand même, ces coïncidences. Alors... Donc c'est cool, j'ai la boule turbo, mais par contre je sais pas trop à quoi ça va me servir là tout de suite maintenant quoi. Oh ils vont être là en plus les sagouins là. Ils sont toujours par paire en plus là. Regardez, il bug. Il est en train de monter en moonwalk. Dis donc, c'est chiant, hein. Ah, il y a un truc là. Il y a un truc des chochos. Ça dit. Que le grand poison se propage dans les profondeurs de la planète, nous Chozo commençons à sombrer dans le désespoir, nous devons absolument entreprendre quelque chose avant qu'il soit trop tard. Un temple destiné à contenir ce mal obscur est en cours de construction. Le centre de cet édifice renfermera un monogramme, à ne pas confondre avec les nonogrammes, c'est-à-dire c'est autre chose. Est-ce que vous savez ce que c'est que les nonogrammes d'ailleurs? Je parle de ça, mais ça se trouve vous savez pas, du coup vous ne comprenez pas la blague. Un verrou mystique, seule la réunion de 12 artefacts pourra ouvrir. On a autant de pouvoir que nous, Chozo, pourront en générer. Hélas, nombreuses sont les incertitudes qui demeurent. Nous, on a terminé ce temple à temps. Cet édifice et son nonogramme seront-ils suffisamment puissants pour contenir les courants empoisonnés qui menacent notre terre? Ok, donc on a une autre... Hein ?
Ah non, c'est là, là où j'arrive. Donc idéalement, faudrait que j'aille là-bas. Sauf que... Là, c'est de là où je viens. Bon, tout le monde s'est barré. Tout le monde s'est barré, personne ne me répond. Super. Eh bien, YouTube, à toi de mettre, de mettre ce qu'est un nonogramme dans les commentaires. Pourquoi ça s'est ouvert, ça? Je peux vraiment pas passer, quoi. Ouais. Ou alors j'essaie de monter sur le petit rebord là. Est-ce que ça met ça peut monter sur le petit rebord? Ça ressemble quand même vachement à une porte. Hein. Alors, au moins, faut arrêter de me prendre pour un con. Hein. Mais non. Ok. Donc c'est pas là. Là il y a une bébête, mais ça me sert à rien. Là il y a un truc, là il y a ça. Comment on pourrait y aller? Non mais y a rien. Bon, faut que j'avance. Ah, faut que je recule du coup. Ah oui c'est vrai, ça les attire. J'avais oublié. Bon. Ah ! Cinématique. Ah ! Dis donc. Ah, dis donc. Est-ce que ce serait pas notre copain Ridley, ça, par hasard ? Est-ce que je peux aller en face? Non, hein. Non. Il me faut le double saut là. Ouais, allez, non, on va tenter, mais. Ouais, c'est ça. Ah, attendez, il y a le chat qui miaule. Quand chat miaulait, chat est trop loup. Hop. Aïe, on est bien installé. Je regarde juste un truc. Ok. Tac. Bon, par où faut que j'aille? Je ne sais pas. Déjà, on va les sauvegarder, je pense. En fait. C'est bien, j'étais paré à me barrer, mais
finalement, j'oublie que dans les vieux jeux, il n'y a pas de sauvegarde automatique. Toujours une bonne idée d'en faire. Alors... Est-ce que le fait de voir Ridley là-bas, est-ce que ça voulait dire... Eh ? Ah, ça serait une bonne idée de retourner là-bas, non ? Il y a définitivement un truc là-haut. C'est quoi ce truc? C'est juste pour l'habillage, ok. Est-ce que les trucs derrière? Bon, j'ai rien derrière. Alors, qu'est-ce que j'ai pas encore exploré? Là-bas, il y avait un... Le tunnel des flammes jumelles. Et lui, je crois que c'était... C'était pas question de... C'était... Fallait le rail magnétique, il me semble. Très sûr, mais il me semble que c'était ça. Alors. C'est quoi le timing? Tac, tac, tac. Non mais non! Tellement de vie perdue. Tac, tac, tac. Non. Non mais vas-y! Oh là là, non mais non. On va arrêter. Ah, je peux tester ici. Être mieux. Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Non, tac, tac, tac. Ok. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Je sais plus. Je sais plus, je sais pas. Faudrait que je regarde. Mais effectivement, il y a un truc en haut. Hein. Définitivement, il y a un truc en haut. Oh non, j'étais presque. Merde. Oui. Alors. J'ai fait comment? Je sais plus. Tac, tac, tac. Non.
Alors, tac, tac, tac. Non mais je suis en train de d'éclater toute ma vie là, faut que je fasse autre chose. On aura l'occasion de revenir. Ah zut. Voilà, je vais partir dessus bien évidemment. Ah mais genre la caméra me voit là. Genre. Elle est où? Non, 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 mais non, non, mais arrête. Merci, un peu d'énergie, c'est pas mal. Hein. Vu tout ce que j'ai perdu. Donc, qui remet les caisses en place à chaque fois que je sors d'un niveau? Je me pose la question quand même. Hein. C'est assez étrange. Hein. Je pourrais revenir là, mais ça me sert à rien. Non, mais on va remonter. Hein. Truc là. J'ai bien attendu pour pas me faire avoir. Par contre, faudrait arrêter avec les. Avec ça, moi je voudrais de la vie. C'était possible. Un peu de vie, s'il vous plaît. S'il vous plaît, le jeu. Qui veut pas. Je crois que le jeu il veut pas me donner de vie. Évidemment, il y a le chat qui veut déjà rentrer. Parce qu'il pleuvait un peu tout à l'heure, je pense. Donc, elle voulait sortir, mais une fois qu'elle s'est rendue compte que dehors, c'était mouillé, tout de suite, c'est moins intéressant. Ouais, c'est patient un petit peu. Ouais voilà, c'était le truc avec les rails. Avec les rails magnétiques. Ah, qu'est-ce qu'elle est chiante quand elle a décidé un truc. Ah, je vous jure. Tête de mule celle-là.
Ah, ça va me dire où faut que j'aille. Voilà. Donc j'étais sur le bon chemin. Merci. Ah mais ouais, il y en avait une juste. Ah bah oui, ça y est. Ça y est, je vois qu'est-ce qu'ils veulent me dire. C'est quoi que c'est qu'ils veulent me dire? C'est au tout début du jeu. Bon, j'y ai pas accès. Ah, oh, il a eu le temps de me cracher au visage. Regardez une structure de mi-lune, il y en a juste une là. C'est pas fou ça. Les branches entrelacées pour faire un pont. Voilà. Voilà. Et on arrive où? Où c'est qu'on arrive? Eh bien, je ne sais pas. Mais on arrive là. Ça, c'est bien. Quoi? Ah oui, d'accord. Il y avait un hérisson. Encore des hérissons là-bas. Alors, où c'est qu'on arrive? Au-dessus de notre vaisselle. Là où je voulais sauter, évidemment. Oh là, il y a tout un nouveau pan qui va s'ouvrir. Est-ce qu'on n'irait pas chercher le double jump là d'ailleurs? Ah bah oui. Ouais, j'ai même pas scanné mon vaisseau. C'est notre vaisseau. Et on peut sauvegarder. Ce qui est pas du tout dans le lore, hein, dire on peut sauvegarder. Pas ouf. Hein. Les bottes de saut spatial. Ouais. Hop là. Otonoshi, coucou Otto. Otto. Comment vas-tu, cher Otto? Sur quoi étais-tu? Parce que je t'ai vu sur Kerbal Space Program. Ah, mais le double saut, ça y est.
Ça y est, on va jouer au jeu. Ah, regardez. Bah non, c'était qu'un simple saut. J'étais sur Isaac, plus que 7 challenges, hein, et des objets à récupérer après, ou parce que je connais des gens qui ont un peu galéré sur la récupération d'objets. Des gens. Alors, ça c'est le truc machin. Ça c'est le machin bidule. Le crash de la frégate, c'est ça. Magmore, ça j'en veux pas. Ça, il faut que je retourne aux ruines Chozo, je pense. Mais non! Oh, mais oh, j'aime pas quand on fait ça. Je vais me chercher à grailler, j'arrive. Et bah, tout de suite. Et encore merci pour le raid. Ça fait bien du plaisir. J'ai pas de dash par contre. Oui, c'est par là. Oui, c'est par là. Il y a les relous, voilà. Ça fait tellement plaisir d'avoir le double saut. Mais il y avait un truc au-dessus, j'ai jamais fait gaffe. L'histoire de Chozo, des Chozo remonte à des temps immémoriaux. C'est pourquoi nous y irons d'où viennent nos ancêtres. Nous sommes certains en revanche que les Chozo qui ont s'installé sur Talon 4 étaient farouchement opposés au monde matérialiste et refusaient de dépendre des technologies modernes. Si nous choisîmes de vivre en harmonie avec la nature, guidés par la providence de l'univers. On passait des jours heureux dans cet endroit. Disséminerons à nos impressions aux alentours. Bah, excellente idée. Hein. Ça vous a pas aidé, mais bien joué les gars. Hein. Maintenant que j'ai le double saut, est-ce que je peux pas aller par là? On va regarder un truc par contre. Vestige du mausolée. Il me semble que c'est là. Hein. Je sais plus. On va aller voir. Oh! Allez. Oui, c'est là.
Parfait. Ok. Quoi? Hein? J'entends des trucs, je sais pas d'où ça vient. Hein. Ah. Ah. Ok, donc là c'est là où j'ai chopé. La boule morphing justement. On est où? On est là. Mais là-bas par contre c'est une porte violette. Donc je vais pas pouvoir l'ouvrir. Soit es-tu là? Soit es-tu là? Bon bah une réserve de missiles en plus hein. Toujours ça de prix. Bibi, es-tu là? Y'a plus personne. Ah mais regardez là. Ah les petits coquins. Et hop. Encore une réserve de missiles. Et là-bas, j'ai encore une réserve de missiles. Est-ce qu'avec le double saut, ça passe? Je ne crois pas. Tentez, hein. Non. Non, bah désolé, Melzekiel, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, hein, je suis désolé. Ils ont tous quitté le navire. Qu'est-ce que tu voulais leur demander? Suis-je seul avec Tony Hobb? Ça te fait peur? Depuis quand t'as peur de moi, toi? Ah oui, non. Ah mais ça a fait péter le... Il y a la fontaine qui se déclenche. Ça fait péter les moustiques. Et on fait péter les moustiques. Non. Oh, oh, regardez le double saut, le double saut. Le double saut, le double, double saut, le double saut, le double saut. Meilleure chose dans le jeu. Hein. Ah.
Non, je peux toujours pas. Ah, je peux quand même y aller. Ouais, mais est-ce que je vais pas être bloqué en fait? Et là-bas, ça a l'air d'être un mur tout pourri. Et ils me disent attention, il fait chaud. Allez, soyons fous. Ah mais non! Ah mais quelle horreur! Oh, c'était une mauvaise idée. Hein. Spoiler, c'était une mauvaise idée. Ouais, il me faut vraiment le grappin. Ah, la mauvaise idée, quoi. Ah! Ah! Dis donc. Ça sent l'OOB, ça, hein, quand même. Hein. du coup, je vais où? Parce que c'est bien beau tout ça, mais là, je peux pas y aller. Là, je peux pas y aller non plus, c'est une porte violette. Il me faudra l'autre rayon. Ah, peut-être... Non, bah non, là, il y a rien non plus. Là, j'ai fait tout. Ah, il y a un truc. Y a quoi dans la chaufferie? Oh, c'est une porte blanche, ça. Ok. Non, et puis je vais pas me retaper la route jusqu'à la chaufferie pour rien, quoi. Alors. Non, pas ça que je veux faire. Hop. Et dans le magmore. Qu'est-ce que j'ai pas fait dans le magmore? Là non, c'est ok, ça a été fait. Il y a ce truc là, mais est-ce que je peux l'atteindre avec, avec le double saut ou pas? Ah mais non, mais faut que je retourne à Felindra tête de tigre. Mais oui. Parce que Felindra... Felindra tête de tigre. Avec le double saut, je peux accéder à la plateforme là. Ah oui, bah oui. Oui. Ah bah oui. Donc Felindra. Tête de tigre. Melzekiel a récupéré un Jean-Michel à vous. Alors, que vas-tu me faire faire cette fois-ci? Ah oui, je peux tomber dans l'eau maintenant, c'est vrai. Elle est propre. Dire 6 phrases, 6. Non mais dire 6 phrases gentilles sur une personne. Est-ce que c'est obligé? Est-ce que ça doit être vrai ou pas? Ah non mais non. Ah mais non. Oh mais vous... Non mais c'est un complot. C'est un complot là. Non, ça compte pas. Jean-Michel à vous, c'est... Ah non, hein, pas les... Allez Jean-Michel à vous hein, avec Otto. Ah non mais non, elle va m'obliger. Elle va m'obliger à dire un truc sympa sur, sur Otto. C'est pas juste. Ah c'est pas juste. Bah, que dire Otto. De gentillesse dégoulinante et de compliments. Ça va pas être dégoulinant, mais Otto, j'aime beaucoup son humour, parce qu'il est quasiment aussi merdique que le mien.
Je peux contre Jean-Michel. Ah non, j'ai envie que ça soit gênant. Otto, je pense que c'est quelqu'un de très drôle. Voilà. Premier truc. Otto, c'est quelqu'un qui anime vachement bien ses streams aussi, je trouve. Après, là, vous ne saurez pas si c'est vrai ou si c'est faux, mais je pense que Otto joue mieux à Isaac que moi. Après, à vous de vous dire, est-ce que il est en train de mentir ou pas. Otto est le sosie quand même officiel de Brendan Fraser jeune, ce qui n'est quand même pas rien. Hein, moi, je suis le sosie de... Merde, comment il s'appelle de n'importe quel... Non, de... Merde, Edouard Philippe. Donc, moi, j'ai Edouard Philippe. Lui, il a Brendan Fraser, quoi. Donc, c'est quand même pas mal. Qu'est-ce que je peux dire? Ça en fait 4, là. Hein. Encore deux trucs bien sur Otto. Otonoshi est très didactique. Chose que je suis pas, par exemple. Enfin, du moins sur les jeux vidéo. J'ai eu moult retours en disant on va chez Otto parce qu'il explique mieux. Et le dernier. Il y a des rumeurs comme quoi Otonoshi sera un excellent coup. Voilà. Et il saurait satisfaire hommes, femmes. Et c'est déjà pas mal. Voilà. Voilà. Est-ce que Melzekiel, est-ce que je suis tellement didactique qu'on me reproche de trop expliquer. Ah bah faudrait ça. Qui t'a reproché ça? Parce que moi on me dit on se casse, il y a Otto qui lance un stream et c'est vachement mieux chez lui. On comprend tout ce qu'il fait. Donc dis-moi qui a dit que t'étais trop didactique, parce que... Oh mais arrête toi, arrête, je vais mourir. Ah merde, je l'ai pas eu. Oh la honte. Alors là vous voyez en fait, je lock. L'ennemi, ensuite je charge mon tir et ensuite je lui balance et ça le fait exploser. C'est ça que vous voulez voir sur mon stream, c'est ça, hein? Shokomoto. Et là j'appuie deux fois sur le bouton, ce qui me permet de faire un double saut. Et là j'appuie plusieurs fois sur le bouton qui me permet de tirer afin d'envoyer plusieurs coups à la suite. Et oui. Et maintenant, je vais aller me déplacer afin de retourner à Felindra tête de tigre afin de continuer le jeu vidéo. Alors, tu connais mes engagements moraux. De fait, je dirais qu'il s'agit d'une personne provenant de ta communauté qui consomme de la drogue de manière légale. Mais elle est infernale. Hein. Elle est infernale cette personne. Est-ce qu'elle serait pas modo chez moi en plus? Est-ce que c'est une personne qui serait modo chez moi? On ne donne pas de nom, hein. C'est juste on donne des indices en plus. Évidemment pas de nom. Hein. Non mais cette personne me dit régulièrement je vais chez Otto, il explique mieux. Et toi t'emmerdes en disant je retourne chez Tony Hub, lui il explique moins et il joue plus aux jeux vidéo quoi. Infernal. Allez, y'en a marre. Pas le tout mais... Aïe, ça va marcher. C'est possible qu'elle soit comme ça. Eh bah ben, c'est pas joli hein. Alors. Par où c'est que je vais? Est-ce que là c'est le temple?
Là, c'est l'alcôve. Alors, l'Erinchozo, non? Et le Magmor. Donc, on va au Magmor. Et Magmor. C'est là-bas. C'est trop haut, ça. Jamais je peux remonter. Aussi par là. Oh là là, Edwardine qui arrive. Oh là, mais Edwardine. Edwardine. Que faites-vous vous ici? Merci pour le raid, Edwardine. Oh là là, mais ces engagements. Ces engagements qu'on tient, toi et moi, quand même. Hein, c'est quand même assez ouf. Et bonjour, Charlie. On ramène des cookies. Ah. Et salut, Sion Genus. Heureux d'ailleurs, parce que enfin voilà. Voici le contre-raid. Un raid et contre-raid quoi. Eh bien, bienvenue à tous. T'as avancé sur Doom? Comment ça? Comment ça, Genius? Tu suivais pas. Tu followais pas encore la chaîne? Je suis désappointé. Vraiment. ouais, j'ai fini la campagne de ce midi. Bah ça, j'étais encore là quand tu l'as fini, ouais. Plus une autre, d'accord, ok. C'était une erreur de me follow ou... ce n'était pas encore le cas. Et je m'en excuse platement. Eh bah écoute... tu offres 5 subs. Et on n'en parle plus. Tu vois. Franchement, je suis pas chien. 5 subs et on est ok, quoi. Mais qu'est-ce qu'elle nous fait? J'ai pas de bot, Edwardine. J'ai pas de bot, donc vas-y avec tes subs et tes goals, là. Je teste des commandes. Non, mais j'ai pas de bot du tout. Donc tu pourras tester autant que tu veux. Il n'y aura rien. Il n'y aura rien. J'ai claqué un tiers 2 chez Edwardine, je suis ruiné. Oh. Ah mais voilà, si tu fais des mauvais choix de vie aussi là. Bah c'est cool, t'as bien avancé du coup sur Doom, c'est cool. Et ici, nous sommes présentement en train de jouer, comme vous le voyez, à Doom 2014. Vous reconnaissez le Doom Guy, bien évidemment. Avec tout son attirail. Ça a changé Doom. Non, non, c'est parce que c'est un peu plus vieux, quoi, mais... La musique. Par contre, ils ont changé la musique. Effectivement, la musique est un peu plus chill que... sur les précédents opus, mais sinon non, c'est Doom. Regardez, je peux sauter. Il n'y avait pas encore le dash par contre. Il n'y avait pas encore le dash, ce qui est bien dommage. Et mais sinon tout pareil. Et regardez, la preuve que c'est Doom, si regardez ça. Regardez. Est-ce que c'est pas Doom ça? Ah, c'est 100% Doom, on est d'accord. Regardez, une map où on peut tourner qu'en 3D, dans laquelle on peut tourner. Ah, j'y comprends rien, c'est bien Doom. Voilà. Une map qu'on n'arrive pas à lire. Regardez ça, c'est les caca démons. C'était avant les caca démons. C'était les caca démons. C'est vrai que le jeu est sorti au moment où on parlait encore de Doom-like. C'est vrai. Oh là là, encore un compliment que je pourrais faire auto.
Le mec est un puits de science. Un puits de science et un puits de savoir. C'est le petit truc en plus. Ici aussi ça fait ta 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 ta. Un peu moins fort, un peu moins fort. C'est vrai que on a moins la sensation des à-coups de quand quand on tire des balles quoi, mais quand même. Là c'est parce que là en plus là j'ai le petit flingue, j'ai le flingue du début. Mais après je vais avoir du plasma et tout. Melzekiel, t'as cassé Tony Hobb. Mais non, mais je suis quelqu'un de gentil. Vous pensez que je suis un enfoiré, mais pas du tout. Ah, est-ce que je peux pas y aller en double saut maintenant? Parce que finalement, ça m'emmerde. Voilà. Ah bah c'est quand même mieux. Hein. On perd moins de temps. Hein. Une baba. Oui, ça c'est quand même le Doom Guy. Le Doom Guy se replie sur lui-même. Parce qu'il est tout seul quand même. Beaucoup, souvent il est tout seul. Et donc il a tendance à se replier sur lui-même. Poumchak, 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 poumchak. Alors, ah non! Regardez, c'est les démons qui ont mis des caméras. Sacré démon. Hein. C'est le niveau du percussionniste. Padam, padam. Oh, le double saut. Ah, il y a un truc ici qui fait du bruit. Ça ressemble à un téléphone qui sonne. Ce n'est pas un téléphone qui sonne. Non, mais là, en fait... En fait, ils sont pas fait chier. C'est. Il était. Mac Gordon, oui, quand même, il est vieux. En fait, vous savez, si vous avez fait un peu de musique, moi j'en ai pas fait, mais je sais à peu près comment ça marche. Vous pouvez avoir un métronome pour vous donner le rythme d'une musique. Et en fait, là, ils sont pas fait chier, ils ont dit Eh, mais les gars, mais si on enregistrait carrément le métronome. Et bim, ça donnait ça. Voilà. Ils ont carrément enregistré le métronome en fait. Génie. Génie les gars. Et donc c'est bien sûr, bah oui. Si on prenait le métronome et qu'on faisait une playlist avec, exactement. J'ai eu peur. Je vous avoue que j'ai eu peur là, la petite phase de plateforme là, je la sentais pas. Hein. Alors, qu'est-ce qu'ils vont nous faire? Ah, il y a du lore. Et il y a du lore comme dans Doom. Hein. Le pont suspendu escamotable est opérationnel mais hors tension. Il faut mettre de l'attention dedans. C'est un gyrogénérateur standard. Il faut tourner très très vite pour l'activer. Je comprends rien à l'histoire de Doom Eternal. Enfin, je crois que je comprends aucun jeu en fait. Mais non, les autres, tu les as compris quand même. N'empêche, on taquine, mais c'est une musique hyper simple et hyper répétitive et pourtant, j'en suis jamais lassé. T'as peut-être mauvais goût, hein, mais parce qu'elle est un peu chiante quand même sur la fin.
Mais est-ce que t'as fait Doom 2016, Edwardine, ou pas? Il me semble que tu l'as pas fait. Je sais plus. Je sais plus. Dis-moi tout. Non, c'était pas ça que je voulais faire. Ah oui. Hop là. Vous avez vu, ça a activé le pomme. Non, pas encore. Alors après, ça va être... Ça va être plus compliqué de retourner sur Doom 2016. Hein. Quand, une fois que t'es habitué à Doom Eternal, Doom 2016, il est un peu plus... il est un peu moins cool, quoi. On a peut-être dû faire dans cet ordre-là, quoi. Fais pas les jeux dans l'ordre, bah ouais. Mais ouais, effectivement, enfin, c'est normal que tu comprennes rien à l'histoire de Doom Eternal, parce qu'elle est vachement liée à celle de Doom 2016, donc... Donc du coup, c'est pas trop étonnant, quoi. Qu'est-ce que c'est? Oh, un artefact. Et bah arrête de... Non mais télécharge... Hein. Activité des prédateurs analysés. Ah ça y est, il y a les... Ça y est. Il y a les pirates de l'espace qui vont commencer à faire chier. Artefact Chozo. Cette surface en bindésium est particulièrement instable. C'est-à-dire... Ça va se casser la gueule. Bah le scénario de Doom, c'est un mec qui chill sur Mars. Il y a des monstres qui le dérangent en plein pique-nique. Du coup, il se fâche et casse la gueule jusqu'en enfer. Non, c'est pas vraiment ça. Est-ce qu'on a vraiment besoin de comprendre le lore de Doom? Alors non, il n'y a pas besoin de comprendre le lore de Doom pour jouer au jeu et pour y prendre du plaisir. Par contre, le fait qu'ils en aient ajouté et qu'ils aient essayé de faire un truc un peu cohérent et une histoire sympa... et bah ça enlève rien au jeu, au contraire, ça lui rajoute vachement de trucs. Et je trouve qu'ils ont, ils ont fait quelque chose de très sympa en fait sur le lore de Doom. Le fait que le remaster en fait soit pas reprenne un peu l'histoire, mais en fait derrière tu comprends que t'as été mis en sommeil pendant des années et tout, puis réveillé, c'est plutôt, enfin je trouve que c'est assez cool quoi. Ah mais c'est vrai que j'ai ce menu là depuis le début et que je me rappelle, j'y avais jamais refoutu les mains quoi. C'est la Triforce. J'ai la Triforce. Bah, parfait. Et bah un artefact. Bim. Voilà. Ouh. Faut que ça a pas grand chose quand même hein. Non non je me casse. Et bah on nous. Et quoi là, y'a rien. Ah, est-ce que je le tente? Oh là là, est-ce que je le retente? Là, je suis full life. Nariel mériterait tellement le même traitement. Puis game, je vous maudis. Alors, tac, tac, tac. Ah mais non. Bon, c'est bon, j'ai déjà perdu toute la vie. Comment j'ai fait tout à l'heure? Tout à l'heure j'y étais. Hein. Tac, tac, tac. Ah, trop tard. Non mais arrête! Oh là là. Mais non mais. Y a un timing que j'ai vraiment pas. Hein. Faudrait que j'aille regarder sur internet c'est quoi le timing. Alors. Tac, tac, tac.
Ah, je peux essayer. Je peux essayer ici. Alors c'est tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Non. Tac, tac, tac. Allez, c'est décalé. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Mais arrête, mais pourquoi? Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Tac, tac, tac. Yeah! Tac, tac, tac. Bon, j'ai peut-être quelque chose là. J'ai peut-être quelque chose. Je vais le foirer là maintenant. Tac, tac, tac. Ah, il faut le refaire aussi ici. Oh là là, mais. Ah, faut le faire plusieurs fois en fait. D'accord. Tac, tac, tac. Je peux le faire, je peux le faire. Tac, tac, tac. Ah, y'a réussi. Oh là là. Eh bah dis donc. C'est pas évident à faire ces sauts de merde là. Mais c'est prévu dans le jeu hein. Vous avez vu que bah, pour récupérer les trucs, et bah, on est obligé de le faire. Donc c'est vraiment prévu par le jeu quoi. Donc c'est vraiment ouais. Je pose, je temporise et j'en mets deux quasiment en même temps. Donc là je suis retourné à Felindra tête de tigre. J'ai eu peur. J'ai entendu un bruit bizarre, j'ai eu peur. Bon, bah, évidemment, je suis tombé directement à la flotte. Hein. Merci, merci pour vos petits messages. Vous avez bien lu les règles du chat, donc je suis très fier de vous. voilà, vous félicitez le streamer. C'est exactement ce qui est demandé. C'est parfait. Vraiment, vous êtes les meilleurs. Je profitez-en, hein. C'est pas souvent que je félicite le chat, donc faut en profiter. Hein. Et donc oui, et je joue à la Zizimote. Hein. Si jamais vous posez la question, ce jeu-là est jouable qu'à la Zizimote. Donc je joue à l'ancienne. Hein. Mais finalement, le jeu est plutôt pas mal gaulé pour la Zizimote, quoi. Donc ça passe assez bien. Hein. Ah, j'aime bien. J'aime bien ce gameplay. Hein. Bon, il y a de temps en temps, elle fait comme ça, la Zimo, t'as comprend pas trop ce qui se passe, mais. Mais dans l'ensemble, ça marche plutôt pas mal. Je vais décrocher. Il faut que je me nourrisse. Ah, t'as pas encore mangé. Ah bah ouais, non mais vas-y, file. Et bah des bisous, Edwardine, et encore merci pour le raid. C'est très gentil. Je suis tombé. Voilà. Et puis il faut que tu sois en forme pour demain, effectivement, si tu fais une journée streaming. Moi, je vais peut-être me faire. En fait, tu m'as filé envie. Et demain, je vais peut-être me faire le DLC Doom Eternal. Je me dis que ça pourrait être pas mal, le DLC Doom Eternal, demain après-midi. Hop. Mais. Ah, le double saut. Bonne idée le DLC, surtout que la semaine prochaine sort le trailer du prochain. Ouais, je l'ai vu. Mais voilà, c'est tes streams vraiment qui m'ont filé. Mais c'est pas possible. Je vais y arriver à un moment ou. C'est vraiment tes streams qui me donnent vraiment envie de m'y remettre quoi. Mais
Mais oui, j'ai vu qu'il allait avoir le trailer. Après, ça nous dit pas quand est-ce que ça sort, quoi. Alors, tac tac. C'est bon, j'ai réussi. C'était pas gagné, mais... Trop d'honneur, tu te rends compte? Quand tu commences à te faire plagier par... par la streameuse la plus en vogue... actuellement... C'est quand même ouf, quoi. Mais barre-toi. Voilà. Hop là. Oh non, mais encore une merdasse là. Allez hop. Voilà, ça c'est fait. Ensuite, on va scanner le petit bazar là. Qu'est-ce que c'est? Parasite polaire. Prédateur est doté. Alors c'est marrant parce qu'il n'y avait que des prédateurs. vous lisez le lore du jeu et toutes les bestioles que vous scannez, c'est des prédateurs. Donc je me demande où sont les proies parce que vraiment, il n'y a que des prédateurs. Carapace cristalline, hein, les arbres bien capables de s'adapter à n'importe quel milieu en espace. 3 générations, waouh! Enfin, ça dépend si c'est des générations de 90 ans. Les parasites polaires sont un parfait exemple. Ils sont très vite accoutumés au climat glacial de Felindra, tête de tigre, où ils prospèrent à présent. Omnivores, ils peuvent survivre dans des endroits hostiles pour la plupart des formes vivantes. Chacun est le prédateur. Oui, effectivement, ça pourrait être aussi ça, quoi. Mais bon. C'est pas comme ça que j'entendais la biologie, moi, mais... Il y a peut-être un... Oui. Je vois un visage, moi, là. Alors, je sais qu'on a des neurones câblés exprès pour reconnaître les visages, mais là, je vois la bouche et puis les deux yeux du mec. Avec une tête bizarre. Bref. On est fait pour ça, hein, pour reconnaître des visages partout. Il s'est arrêté l'autre. Il y a son copain qui est mort, il s'est dit... Bah, comment ça se fait? Comment ça se fait que mon copain il est mort? Est-ce que ça serait pas à scanner ça par hasard? Oui, non. Ah, si, peut-être. Le plateau de l'existence dans ses mains. L'anthropomorphisme. Non, c'est pas... Non. C'est ça. La pareidolie. Le fait de voir des visages partout. Oui, on est câblé. On est câblé pour ça. Ouais. L'anthropomorphisme, le fait de donner des comportements humains à des choses inanimées ou à des animaux. Ah mais ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors... On arrive sur des domaines quand même assez précis. Non, pas... Non. Ah bah, aïe. Ah, Samus, elle a tombé. Alors, par contre, on m'a félicité pour le titre du stream. Au début du stream, mais depuis, personne. Personne ne me félicite pour cet excellent titre de stream que le monde entier m'envie. Que le monde entier m'envie. Qu'est-ce que j'ai dit? Que le monde m'entier, non. Que le Bernard Montiel m'envie, non. J'étais extrêmement fier de mon titre de stream quand même. A priori, tout le monde s'en fout.
J'ai ri en arrivant. Je me suis affiché avec mon follow. Du coup, j'ai rien dit. L'anthropomorphisme, c'est croire que Tonium est un humain. Que je suis un coin-coin, évidemment. Hors de cette porte, le symbole sculpté sur fond écrit pour que je baisse ma garde, retrouver mon ensemble dans ce... Hein ? Quoi ? Ça veut rien dire. Le buste d'un guerrier de Chozo. Le buste d'un philosophe Chozo. Représente le buste d'un architecte Chozo. Représente le buste d'un chaman Chozo. Plusieurs fissures peuvent être observées sur la surface de cet objet de... Hop, alors, attendez. Je sais jamais. Voilà. Voilà. Et donc là. Alors j'osais pas te le dire, mais puisque tu le réclames, c'est vraiment du concentré de merde dans ma boîte. Tu sais pas de quoi tu parles. Tu sais pas qu'est-ce que tu dis. T'es rebou encore. T'es encore rebou, hein. En fait, t'es en train de tourner comme Brendan Fraser. En fait. Finalement. Physiquement, tu lui ressembles. Et t'es en train de faire comme lui, quoi. T'es en train de mal tourner. C'est juste parce que t'as pas compris la vanne, en fait. C'est juste ça. Je suis qu'au troisième verre. Ah ouais, mais... Aujourd'hui, c'est un petit verre qu'il te faut, mais demain, tu en fumeras tout un paquet. Puisque oui, pour les gens qui ne te connaissent pas, Otto... Otto est le sosie officiel de Brendan Fraser jeune. Je peux revenir, non ? Ça ne sert à rien. Hop ! Ah mais c'est là où il me disait, dis donc... Il y a une concentration de... De petits connards là. Quoi ? Après, je crois qu'il y a la maman, après. Me semble-t-il.
Voilà, c'est fait. Et après. Voilà, là il y a la maman. Là il y a la maman. Il faut que je le scanne. Alors, qu'est-ce qu'ils disent ? Le Shigot est le prédateur suprême des monts de Felindra tête de tigre. Shigot résiste à la plupart des rayons, les cristaux qui recouvrent sa région dorsale, des capteurs qui canalisent l'énergie et la retournent contre l'ennemi. Cette créature est peu endurante. Elle fait de l'hyperventilation avec un puissant souffle gazé pour attaquer, exposant son appareil buccal fragile. Sa région abdominale, qui est excessivement sensible aux armes lourdes, c'est son second point faible. Technique offensive consiste à cracher des bouffées de gaz réfrigérant en vue de paralyser l'adversaire. Ensuite, les Shigot s'empressent de piétiner sa malheureuse victime pour l'achever. Alors. Qu'est-ce que tu me fais ? Qu'est-ce qu'il me fait ? Aïe. Hop. Et ben voilà. Au bout de 50 roquettes, je sais plus comment ça s'appelle. On a réussi. Salut Dark Spring Bunnies. Ça tryhard. Non, ça y va tranquillou. Bonny Tanya et le chat, merci pour cette redécouverte de Doom. C'est sympa. Et ben merci Genius. N'hésite pas à revenir maintenant que tu es follow. Tu seras la bienvenue, bien évidemment. Un missile, bah voilà, c'est ça, c'est les missiles. Alors, merci Otto, heureusement que tu es là. Et bienvenue du coup Dark Spring, et merci pour le follow, merci beaucoup. Ah mais c'était vraiment un boss en plus, c'était même pas un petit truc comme ça à la con.
Ça y est, j'ai un deuxième rayon. Le rayon à Zonde. Ouais, donc c'est le 1. Hop. Le rayon à onde. Hop là. Alors, qu'est-ce que nous avons à scanner dans le coin? A priori, pas grande chose. Pratique pour... c'est dans le futur, hein, le micro-ondes, c'est chiant. Tu peux pas l'emporter avec toi et tout. Tandis que là... Paf! Le dîner est servi. Ah, et la musique a changé du coup. Et là, je peux leur casser la gueule à eux, moi, je crois, maintenant. Exactement. Ça les attire, mais on peut leur casser la gueule. Et pour ici, il me faudra le rayon plasma, je pense. Pour tout décongeler. Ça me semblerait assez logique. Il est vénère en bas là. Je voulais tester qu'est-ce que ça a donné. Hein. Pan dans les dents. Mais t'aurais mieux fait de pas approcher. Hein. Ah. Ah. Quoi, il y a des phoques. Petit canon 5G. Ah, c'est ça en fait. Alors, est-ce que ici, ouais, là il y a une, là il y a une petite porte, violette là, allez ouvrir. Donc on va aller sauvegardez et on va aller regarder qu'est-ce que ça donne. La sauvegarde elle est où? Je suis paumé. La sauvegarde elle est là-bas. Qu'est-ce qu'ils foutent là, eux? Putain, mais il est relou. Pratique quand on est en hauteur. Hein. Hop là. Et les piafs supersoniques, ouais. comme le hérisson. C'est pour ça que tu dis ça? Poète. Mais les piafs supersoniques, je leur ai déjà cassé la gueule en fait. Vous avez vu que celui-là, il a une petite moustache, lui. Hein. Ceux-là, ils ont une petite moustache, là. Ils sont très cool. Hein. Hop. C'était bien par là, hein. Oui, c'est par là.
Ah 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 ah. Oh, c'est à quel moment les pirates de l'espace là? Oh non, mais eux, j'ai pas envie de me les retaper. Hein. Voilà. Qu'est-ce que nous avons? Qu'est-ce donc? Alors, formation rocheuse peut présenter des faiblesses structurelles. Certaines stalactites peuvent être délogées des plafonds puis utilisées comme plateforme afin de... Pouette. Est-ce que vous pensez qu'à chaque fois que Samus fait un truc, elle a vraiment le son dans ses oreilles? Pour la féliciter ou pas. Ils sont vénères en bas. En bas, ils sont vénères. Alors, j'arrive où? Il n'y a pas des pirates de l'espace dans le coin là? J'ai un souvenir de piratos. L'angoisse quand le système te félicite d'avoir fait ton petit popo, exactement. Hop là! Les trucs qui sont ouverts là, j'aime pas ça moi. Ça pue l'embrouille là. Le connecteur est désactivé. Ah bah peut-être là. Regardez ça. Hop. Alors, mais c'est pas un truc qu'on va faire monter la flotte là. Si t'as besoin d'aide, demande après. Je sais pas si Otonoshi connaît extrêmement bien le jeu. Je pense qu'il le connaît. Après, je le connais aussi globalement le jeu parce que je l'ai fait quand il est sorti sur Wii. Mais j'ai eu la flemme de le terminer. Donc j'ai pas terminé Metroid Prime 1. Et j'ai pas, du coup j'ai pas commencé, j'ai commencé ni Prime, j'ai commencé ni Prime 2 ni Prime 3 évidemment. Pas évidemment. C'est pas évident mais Ah c'est pas là-bas qu'il fallait que j'aille par hasard. Je pense que oui. Mais oui, non, si à un moment je suis bloqué. J'hésite pas, hein, moi. Alors, je veux pas de spoil et. Je veux pas de spoil dans les jeux que je fais et tout ça parce que ça me saoule. J'ai envie de découvrir les jeux par moi-même. Après, voilà, quand je suis bloqué, par contre, j'hésite absolument pas à demander.
C'est un premier truc que je fais quand je suis coincé. J'aime bien que ce soit le chat qui me guide, quoi. Non. Ça par contre c'était con. Ça par contre c'était méga con. Je peux remonter ou pas? Oui. Par où? Par là. Je compte pas te spoil parce que j'ai déjà fait la gaffe. Ah ouais? Alors. Comment on fait? Hop là, ok. Ah, en plus, d'accord, c'était... ok. Ok. J'ai cru que c'était la suite du niveau, mais en fait, non, pas du tout. Pas du tout. Mais cool. Cool de l'énergie, moi, j'ai dit ok. On commence à se faire un petit paquet d'énergie, là, c'est... pas déconnant. Merde. Merde. Je repose pas. Ah. Je repose pas assez au sol. Donc ça ne marche pas. Là, hop, hop. Voilà. Quand on le fait bien, ça marche. Et on m'a déjà repris sur ça. On s'est excusé, mais bon. Il savait déjà qu'il y a un objet, mais bon, quand même. Du spoil. Ouais, non, c'est pour ça, moi. Alors, puis c'est pareil, j'hésite pas à dégager les gens quand vraiment c'est relou et que j'ai rien demandé et que ça insiste. Parce que bon, c'est un peu con. Même là, sur... Ah, mais non. Alors là, par exemple, tu pourrais me spoil en me disant « joue mieux ». Pour un jeu qui se veut un platformer, les contrôles sont un peu à chier, mais pas du tout. Mais pas du tout, c'est juste que... Non. Bah... En même temps, on a le même truc dans Doom. Ah, c'est pas le même type de jeu, parce que Doom est plus un shooter que... Mais dans Doom 2016 et dans Doom Eternal encore plus, par exemple, vu qu'on en parlait tout à l'heure. Il y a des phases de plateforme. Et quand tu vois pas où tu sautes, évidemment c'est plus compliqué, quoi. C'est du spoil dire aux gens de mieux jouer. Bah oui. Tu pourras aller plus loin si tu jouais mieux. Tu vois, hop, tu me dis comment il faut que je fasse. Hop. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a par là? Allô? Bah, c'est parfait. Et je vais regarder l'heure. Et 23h39, 2h20. Ouais, bah je pense que je vais m'arrêter ici. On va sauvegarder. Hop. Et on va s'arrêter là.
Il me semble qu'il y a... Il me semble qu'il y a un truc de... J'ai le souvenir d'un mur qui se pète dans le coin ou un truc dans le genre. Pour récupérer des, de la vie ou... J'ai souvenir d'un truc comme ça. Peut-être que je me trompe. Oh, ça y est, les pirates. Regardez-le. Regardez-le, il est rigolo. Il était rigolo, non? Il m'a fait rire. Ah, mais je l'ai même pas scanné. Je l'ai même pas scanné, le pirate. Casser la gueule des ennemis. Ils sont vénères. Oui, il y en a combien? Il se cache, regardez, il est malin. Et ouais. Allez, on va s'arrêter. Bisous YouTube. À la prochaine.